fait du bien. On va quand même lui mettre le casque sur les oreilles. Elle pourra écouter comme ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je vais faire une petite réaction aux vidéos séries MSP que vous m'avez tout simplement proposé dans les commentaires de la dernière vidéo. Voilà, donc si ça vous intéresse, que vous avez une série ou une vidéo MSP sur YouTube, eh bien n'hésitez pas à me donner tout simplement votre nom de... Enfin, du coup le nom de la série ou de la vidéo que vous voulez que j'aille voir sur votre chaîne, tout simplement. Aujourd'hui j'ai essayé de me refaire des taches de rousseur, oui oui oui, je crois que c'est pas la première fois que j'essaye d'en faire, mais c'est pas grave, dites-moi si je les ai bien réussi ou pas aujourd'hui. J'espère quand même un minimum, enfin, moi j'aime bien, enfin après, en vrai, ça fait un peu plus fake, j'ai l'impression qu'à la caméra ça passe mieux quand même. Moi je sais rien faire, je sais pas me maquiller, je ne sais pas faire des taches de rousseur, je ne sais pas me faire des boucles dans les cheveux. Trêve de bavardage, aujourd'hui nous allons aller voir la vidéo de Sae d'MSP. Voilà, je vous mettrai de toute manière le lien vers sa chaîne dans la description et vers la vidéo si vous voulez voir la suite de sa série, parce que moi je réagis tout le temps au premier épisode d'une série si c'est le premier épisode, comme ça après vous allez découvrir le reste. Et du coup la vidéo s'appelle Secret Life et donc c'est l'épisode 1 que nous allons voir par précaution par rapport au droit d'auteur des musiques. Je rajouterai moi-même une petite musique d'ambiance, mais du coup ce sera pas la musique de la vidéo. De toute manière je ne pense pas qu'il y ait des voix, on va aller voir ça ensemble. Ah, et petit PS pour les personnes qui m'ont demandé d'aller réagir à leur vidéo Gacha, je vais le faire, il n'y a pas de problème, mais du coup ce sera sur ma chaîne Gacha Zé Studio, voilà, petit lien dans la description ou à la fin de la vidéo. C'est parti! Alors Manal, 19 ans, tueuse, d'accord, ça commence bien, tueuse. Alia, ok, Alia on sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Calvin, Aymar, Alicia, Maya, Brian is in the kitchen, Secret Life. L'intro sonne vraiment bien pour le moment. Enfin, quand je dis sonne, c'est visuellement, bien sûr, parce que je n'ai pas le son. Salut, je m'appelle Manal. J'ai un lourd passé. À mes 8 ans, j'ai assisté au viol de ma sœur Amira. Ah oui, ça commence. Elle est morte quelques jours après. Ils étaient 7. Ah ouais, carrément. Moi et mon frère, on les a cherchés. J'en ai tué 4. Ah, c'est violent. J'ai deux frères et avant, c'était ma sœur, ma seule sœur, mon exemple. Sahel et Aymar sont mes deux grands frères. Sahel est le plus sage. Sahel ne se doute pas de ma vengeance avec Aymar. Bref, on a eu beaucoup de chemin pour retrouver le quatrième, mais ça, c'est réglé. Coucou frérot. Dégage, tu déranges. Toujours aussi sympathique, dis donc. J'y vais, à plus. Salut Baé. Coucou les filles. Ton frère est pas là? Non, désolé, mais aujourd'hui tu vas pas pouvoir l'espionner. Il fait encore ses bails. On sent le petit crush du frère là. Tu commences à le connaître. On parie, je vais gérer Manal. Pas possible, elle a trop de caractère. On parie. Ah, il va aller la pécho. On y va. Ça veut pécho ici, ça veut pécho. Psst. Donne les réponses, STP. Ta gueule, on est en contrôle. Qu'est-ce qu'on s'en fout des contrôles. Ouais, on sent le Gugus, au fond, il fait pas son examen, lui. Hein. Hmm, Manal? Manal, 2 heures de colle. Qu'est-ce que t'as fait, Manal? Calvin aussi. Je vais la tuer, cette prof. Manal, 2 heures de colle. Ta réaction était juste épique. Arrête de te moquer. Je te rappelle, toi aussi, t'en as eu. Putain, pourquoi je suis collée avec toi? Parce que t'as pas le choix. Sans blague. Et en plus, elle m'a pris pour qui, elle? Vas-y, je me casse. Avec son petit café, son petit Starbucks, elle se barre. Ah, je l'adore. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Est-ce qu'il a réussi à la pécho? Je ne pense pas, toujours pas. Manal.
Attends, Manal. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le temps, là. Toujours aussi charmante et gentille avec moi. J'ai vraiment pas le temps. Quoi? Qu'est-ce que tu fais dans les rues? Tu risques de te faire violer. Me parle plus jamais de viol. Oh mon dieu, le coup qu'elle lui a mis, genre c'était trop violent, quoi. Pourquoi elle réagit comme ça? Faut que je la suive. Ok. Va y avoir du fight ici, je pense. Où t'étais? Me crie pas dessus. Je t'ai vu tout à l'heure avec quelqu'un. Il est en train d'écouter au fond, vous voyez là, le petit cucus là? Oui, c'est moi qui l'ai appelé. On n'a pas le temps, faut retrouver le reste des gars. Pourquoi tu l'as appelé? C'est bon, j'ai pas le droit de demander l'heure. Ouais, me crie pas dessus. Sinon quoi? Oula, va lui mettre un high kick. Je suis désolée, mais il se tabasse là. Si je dois me battre seule, alors je le ferai. Désolée, mais ça m'a fait rigoler. C'est quoi le plan? Ben, on a quelques indices, mais bon. Le sixième s'appelle Calvin Space. Quoi? Tu le connais? En plus, il est dans ton lycée. Oh mon nom, c'est le gars avec qui elle était en heure de colle. Non, je le connais pas, je le tuerai. Putain, Calvin, j'arrive pas à y croire que t'étais avec eux. Étant donné que t'es dans son lycée, tu vas lui tendre un piège. Je sais plus quel côté choisir. Je veux pas qu'il arrive quelque chose à Calvin, mais... C'est l'un des violeurs. Hein? Oups, j'ai pensé à voix haute. Bon, tout se jouera demain, il nous le faut pour vendredi. Oh mon dieu, c'est chaud quand même, non? Attendez, je m'en pose deux secondes quand même. La meuf dans sa classe, il y a l'un des mecs qui a violé sa sœur, si j'ai bien compris. Mais en vrai, elle se demande quel côté choisir. En vrai, elle choisit le côté de ta sœur, t'as vu? Mais après, il y a quand même, je parie qu'il y a un petit bail chelou ou un truc comme ça. Mais franchement, si je devais réagir à cet épisode, du moins jusque là où j'ai vu jusque maintenant, c'est glauque quand même. C'est glauque, mais ça fait quand même pas plaisir, c'est peut-être pas le bon mot, mais de voir que voilà, elle se laisse pas abattre et que voilà, enfin d'un côté je sais que la vengeance c'est pas bien, patati patata, mais franchement si on serait là, on sait pas comment on réagirait si on serait réellement à la place d'une personne comme ça. Ouais, je pense que j'aurais aussi envie de faire des meurtres, hein. Ouais, quand même. Bon, on continue. Le lendemain. Ok, elle se bat avec sa couette. Encore une journée de merde dans ma vie de merde. Des fois, je me pose la question, pourquoi moi? Oh, elle est triste. Bah, en même temps, c'est triste. Pourquoi mes parents... Ah ouais, d'ailleurs... Pourquoi ma vengeance? Pourquoi que des remords et des regrets? Pourquoi ma sœur? Pourquoi Calvin? Sèche tes larmes, ma belle. T'es une battante, tu vas pas chialer. Je vais en cours. Alors, tu l'as pécho avant hier, en heure de colle? Salut, tu regardes quoi? Salut, les garçons font que parler de toi, surtout Calvin. Manal, ça va pas? Si, tout va super dans ma vie, je vis super heureuse. Je sais que c'est ironique, raconte-moi tout. Un jour, je serai obligée de craquer. Mais non, dis pas ça, ça va aller, t'inquiète. Ouais, t'as raison, je sais pas pourquoi je fais ma miskina. Voilà. Ouais, je t'ai bipolaire. Je viens le voilà qui est sorti, c'est marrant. Non chérie, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié de quoi? Elle a pas oublié quoi? Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait avec la loupe? Il fait un truc chelou là. Il fait un truc chelou. Manal, faut qu'on parle. Pourquoi il veut parler, lui? Pourquoi il veut parler, lui? Faut que tu m'expliques. J'ai rien à te dire. Pourquoi hier t'as réagi comme ça? C'est quoi ce gang? Et c'est qui, le gars? Si tu me dis pas, je découvrirai seul. Je te connais à peine, je vais pas te déballer ma life. Ouais, je t'ai cru t'étais qui? Sérieusement? J'ai une question. T'as fait quoi la veille du 18 août 2010?
Réponds, je tire. Ben. J'ai violé une fille. Oh mon dieu, il a avoué. Oh non, je pensais pas qu'il allait avouer comme ça. C'était ma sœur que t'as violée, elle est morte à cause de toi. Ah, elle est morte. Je déteste. Je te déteste, je pense. Oh mon dieu, c'est chaud. Oh mon dieu, c'est fini. Ça finit au pire moment. Ça finit au pire moment. En vrai, tu vois, j'avais quand même l'intime conviction de me dire qu'en fait, il était peut-être avec des garçons, qu'ils ont été influencés, mais que lui, il a rien fait. Il était juste là au mauvais endroit au mauvais moment, enfin un truc comme ça quoi. Mais non, lui il a avoué que c'était lui. Il se rappelle de la date et tout, genre c'était en 2010. Du coup, ça veut dire que ça date, mais la série elle a été faite il y a quand? En 2019, ça a été fait ben, là récemment, il y a même pas un mois, enfin si, environ un mois. Et du coup, bah. Je pense, enfin, ça veut dire que c'était peut-être sa grande sœur qui, du coup, elle devait être plus petite ou un truc comme ça, mais du coup, lui, il avait quel âge quand ça s'est passé? S'il soit à l'école. Bref, peut-être qu'après la série, elle se passe à une autre époque de l'année, enfin, pas époque de l'année, époque de voilà, vous voyez, enfin, je pense que vous avez compris ce que j'essaye de dire. Et bah, du coup, si je devrais donner mon avis sur l'épisode, bah, moi, j'aime bien. Après, je sais que c'est glauque, il n'y a pas forcément tout le monde qui aime, mais justement, moi, j'aime bien les séries dramatiques. Vous voyez, j'aime bien tout ce qui est drama, vraiment dramatique, glauque, etc. Ça me dérange pas personnellement, au contraire, après, moi, ça va. Enfin, voilà, je suis une grande personne. Petite en taille, mais grande, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, non, je suis... Franchement, là, j'ai envie quand même de cliquer sur l'épisode 2 et de regarder tout de suite l'épisode 2. Donc, belle découverte. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir. Donc, je rappelle qu'elle a fait la suite sur sa chaîne. Voilà, je vous donnerai le lien de sa, dans la description de sa chaîne, de l'épisode et tout et tout. Et j'espère que cette vidéo réaction vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.